blanche. Il est 7h30 du mat. Tout se passe bien, on avance bien. De 1900 mètres, on va rentrer dans ce petit canyon. Bon ben voilà, on est à 3000 mètres. Et vous savez, je me suis complètement trompé de sommet. Voilà, on est en direction du Métayé et pas du tout de la Rosa Blanche. C'est pas grave, j'aurais mieux fait de suivre le GPS. Bon, c'est pas mal aussi et je suis pas sûr qu'on puisse aller jusqu'au sommet avec les plaques qu'il y a. Voilà, on est sur une des antennes. On a dû être là-bas. Légère erreur.
informations concernant les valeurs. Bon, je suis parti de Pralon, ici. Et au départ, tout va bien. J'ai bien pris les sentiers qui montent ici. Donc là, ça passe à bon. J'ai sauté par ici. Et j'ai traversé. Et c'est là que j'ai commis l'erreur. En fait, au départ, j'aurais dû aller par là. Et en fait, moi, je suis monté par ici. Donc, l'erreur est là. Ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, je pense être là. Quand j'arrive à cette altitude, je cherche le refuge. Or, à 2600 mètres, j'arrive à cette altitude et je cherche le refuge. Je ne trouve pas. Par contre, on a à peu près la même orientation. Donc ensuite, là, je pars légèrement vers la droite. Ici, je pars vers la droite. Je comme ça, je me retrouve en fait. Et là, où suis-je? Je me rends compte que je pense ici. Et en fait, je suis à plus de 2 km. C'est parti. Donc, voilà. Bon, effectivement, ça ressemble un peu, mais je me retrouve très loin du sommet, ici, vers le large. J'étais là, après j'avais des solutions, je pouvais essayer soit de remonter pour chasser là et de rejoindre mon petit itinéraire, soit d'aller à mon sommet et de redescendre. Voilà, bah, j'espère que vous avez tout compris. En gros, je me suis porté de sommet.